sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Ça va. Hein Hier, on a été encouragé. Hein on est sorti d'ici euh, par la petite porte. Voilà. Le Seigneur, nous enseigne. Ah. Des questions Oui On va te passer le micro. J'avais une petite question par rapport à hier. C'est juste pour être sûr. Quand tu tu disais que par exemple une personne qui qui que le Seigneur a missionné par exemple pour faire des orphelinats, pour euh, nourrir les veufs, enfin pour plusieurs choses. Et si elle remplit pas une des cases, enfin une des choses qu'elle doit faire, est-ce qu'elle va en en faire Oh, pas forcément. Enfin, je m'explique. Je vais expliquer ça. Et euh... Qu'est-ce qui va faire que les gens ne vont pas aller au ciel C'est la désobéissance. D'accord D'ailleurs, je pense qu'on va parler de ça. On va parler euh, et, euh, du péché, justement. Et euh, en venant sur terre, comme on l'a vu hier, donc, euh, chacun de nous, qui sommes des esprits, hein, a reçu une mission. Comme on l'a vu hier, le Seigneur a dit dans Yermuya, dans Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le vent de ta mère, je te connaissais. Donc il dit avant, je te connaissais avant. Et Paul vient dans Romains 8, il reçoit cette révélation et il dit, il écrit en disant ce qu'il a connu d'avance. Donc il y a eu un avant cette vie. D'accord? Voilà. Donc, ces esprits que nous sommes, ben, ces esprits. Ont reçu chacun a reçu une mission. Maintenant tu viens sur terre. Le Seigneur te dit toi ma fille Elsa en tant qu'esprit hein tu es esprit comme on l'a vu hier. Le Seigneur a d'abord comme créé d'abord les cieux au commencement, Elohim créa les cieux au commencement, les cieux d'abord et les anges, tout ça là d'abord et tous les esprits. Donc il a créé d'abord le monde spirituel. Ensuite il y a le monde matériel. Et en tant qu'esprit, maintenant, tu reçois des ordres. Parce que nous sommes des esprits en mission. Et il dit, bon, Elsa, tu es ma fille, et tu vas aller sur Terre pour 100 ans. D'accord Durant lesquels tu vas t'occuper des veuves. D'accord et, euh, et tu vas commencer ce travail à l'âge de... 30 ans. Vous avez vu euh, juste un exemple, hein, au 25 ans ou 30 ans. Et euh, vous n'avez pas vu que le Seigneur a commencé ce ministère à 30 ans, Yohanan à 30 ans, et euh, Moshe à 40 ans. Pourquoi à chaque fois la Bible précise, le Seigneur précise euh, à chaque fois l'âge euh, du commencement des ministères Parce que c'est le, le plan. Nous rentrons dans les différents plans du Seigneur. D'accord Et les choses se déclenchent naturellement. Ta conversion n'est pas le fruit du hasard. C'est quand le, le le temps était arrivé, les choses sont... à chaque fois, c'est comme ça. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui vous avaient prêché la parole, ils ne sont, sont jamais convertis, vous avez prié pour eux, je n'ai rien à faire. Et un jour comme ça, vous les croisez, ah ben tiens, j'étais chez moi, il m'a parlé, et depuis je prie. Qui a déjà vu ça Donc c'est pour cela que nous, on est petits. On ne fait rien. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout programmé. Vous comprenez voilà. Et si toi, tu veux amener quelqu'un au Seigneur avant le temps de la programmation, ça ne marchera pas. Donc, maintenant, voilà pourquoi la parole dit que lorsque les temps ont été accomplis, on parle toujours des temps, l'accomplissement des temps, l'accomplissement des temps, 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 mon heure n'est pas encore arrivée, votre temps est toujours là. Tu as vu, hein Voilà. Maintenant, à 30 ans, tac, il t'appelle. Je dois convertir à quel âge Rappelle-moi, j'ai oublié. 17 ans. 17 ans, Elsa, gloire au Seigneur. À 17 ans, tac, c'était le temps. Donc, ils avaient déjà dit, depuis, à 17 ans, tu vas te tourner vers moi, tu vas euh, revenir, parce que quand tu vas aller sur terre, là, à cause de la chair, à cause des de belles choses de ce monde qui ne sont pas belles, tu vas un peu être à gauche, à droite. À 17 ans, tu vas euh, revenir. À 17 ans, tu reviens à la maison, parce que la conversion, c'est quoi le, le mot conversion veut dire retour, c'est le verbe retourner. Ne l'oubliez jamais. Conversion égale retourner. Nous retournons. D'accord on peut le vérifier. Vérifier. Prenez vos, vos portables. Allez sur Google. Euh, allez dans Acte. Allez sur le lexique, le lexique biblique. On va vérifier ça. Parce que c'est des choses, des vérités qu'on doit comprendre. Hum vous voulez qu'on développe encore cet enseignement ou vous voulez qu'on... Peut... Bon, on va parler du péché quand même. Ça, c'est important de... C'est le lexique biblique, vous avez acte 3, 19. Le verbe convertir. Convertir, convertir. Qui est dessus C'est quel verbe Ah hein Oui, et euh, traduit en français comment retourner vers... Ah, ok. Vous avez vu Nous étions des brebis perdus et nous sommes retournés. 1 Pierre vingt 25, vous avez déjà lu ça. Vous voyez bien que si l'on parle du retour, comme là par exemple, je peux dire, eh ben, je retourne en Afrique. Parce que je viens de l'Afrique. Je viens de là quelqu'un va dire je retourne aux antilles mais la personne vient des antilles donc vous voyez bien quand il y a, si on parle du retour on, on parle de, de, la, de la source de l'origine voilà vous comprenez un peu la chose donc ceux qui se convertissent ce sont des gens qui sont d'origine céleste gloire au Seigneur oh mais il nous enseigne Honnêtement, quand j'étais là, là, j'étais coincé. Comme d'habitude, hein. C'est pour ça que je vous dis, honnêtement, sans lui, je suis cadavre. Sans lui, pareil, toi, c'est pareil. cest lui dire que les... tout ce que je dis, il y a des choses, je la prends en même temps, je dis, oh, là, 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 comme là, là. Je dis, mais là, je suis coincé, le Seigneur, c'est comme, il te prend là-bas. Luc, chapitre 12. L'intimité avec le Seigneur, la collaboration, c'est quelque chose de magnifique, frère et C'est ça, le, le ministère, c'est lui, en fait. C'est pas nous. nous. Nous sommes comme des guitares. Donc, vous voyez, ceux qui se convertissent, ce sont des gens, qui retournent d'où ils sont venus. Comme le fils prodigue, il, était à la maison, il est né dans la maison du père, il a goûté aux bonnes choses, il a eu un peu, il s'est perdu. Et il est parti dans un pays éloigné. Et quelques temps après, il dit, je retournerai dans la maison de mon père. C'est ça, ça la conversion. Donc convertir, c'est retourner. C'est ça, ça la conversion. La conversion, c'est le retour. Voilà. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas retourner vers le Père, parce qu'ils ne sont pas sortis de, du Père. Le Seigneur a dit quoi? Je suis venu d'Elohim, et je retourne à Elohim. Et quand nous, 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 endormons, ce que les gens du monde appellent la mort, mais ce que le papa appelle le sommeil, quand nous nous endormons, nous, les, les véritables nous, nous retournons à la maison. Vous comprenez Voilà. Alors, et euh, maintenant, le Seigneur te sort de la maison en tant qu'esprit. Tu quittes le monde spirituel, la maison céleste. Tu viens parce que tu es sorti du Père. Seul lui est éternel. Nous, en tant qu'esprit, nous avons été créés. Tu sors du Père, tu viens et il te fabrique un corps physique. Et ce corps physique, c'est la femme que tu es. Et il te dit, ben, ben, tu vas faire 400 ans sur terre. Mais tu le sais pas forcément parce que là, as oublié tout. On a oublié beaucoup des choses. D'accord? Maintenant. Et, euh, ben pour le père maintenant, le projet, c'est que tu construises 14 ou 20 orphelinats. Mais toi, t'es pas dans la, dans, euh, pendant des années, tu es resté dans la, la distraction et tout. Étant chrétien quand même. Mais là, dans la distra distraction, dans la distraction, pardon. Et ensuite, tu en construis seulement 4 ou 5. Et à la fin. Avant de partir, de retourner, bon, tu te, le Seigneur te rattrape, tu te demandes pardon et tout, il te pardonne. Tu es sauvé, mais tu n'auras pas de couronne. Tu seras sauvé comme au travers du feu, selon 1 Corinthiens 3. Nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes couronnés parce que nous avons œuvré, et, 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 travaillé, œuvré pour le Seigneur. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Voilà. Donc, ça, ça sert à rien de vouloir retourner les gens quelque part alors qu'ils ne sont pas venus de là. La preuve, hein, hein Quelqu'un qui est né à Martinique, qui a grandi à Martinique, qui a mangé euh, pendant des années le fruit à pain, bon, on va dire encore le fruit à pain, tout ça, il n'y a pas autre chose aux Antilles là-bas. Bon, euh, le fruit de la passion, tout ça, et plein d'autres fruits parce que c'est c'est de, be de beaux pays et tout, plein plein de choses que le Père a créées. Maintenant, frères et sœurs, cette personne-là, vous voulez l'amener en Chine elle peut aller en Chine pendant quelques années, mais elle aura toujours envie de retourner en Martinique. On est d'accord, hein Et quand la personne va rentrer au pays, « Ah, oh, quand même, je suis rentré chez moi. Ah, oh, ça fait du bien, quand même. Je suis chez moi. » Voilà. C'est ça. On retourne. Hmm. Pour ceux qui n'ont pas rempli pleinement en fait, la mission, dans cet exemple-là, ce, voilà ce que tu as donné, ce que j'ai compris. Mais euh, en comparaison avec le para, la parabole du figuier stérile, et ceux qui n'ont pas rempli du tout la mission, euh, quelle sera leur condition en fait Mais La même chose, si ces gens-là, à la fin, avant de mourir, et, euh, se repentent, ça peut arriver. Et euh, pareil, dans Corinthiens 3, la parole nous dit, nous dit que ces gens seront sauvés comme au travers du feu. Euh, eh bien, si ils se repentent, ils sont sauvés, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage parce qu'ils euh, n'auront aucun couro aucune couronne. Et, euh, et c'est des gens, malheureusement, euh, qui sont passés à côté de l'essentiel. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut comprendre que nous sommes des esprits ayant une mission euh, voilà, sur Terre et, euh, et que le temps nous est imparti. Le temps qui nous est imparti, et, et, et il faut le, le, le gérer correctement qu'il ne faut pas être dans la distraction. Ben si on comprend ça, gloire au Seigneur, mais si celui qui ne comprend pas cela, ben il va perdre son temps dans les cancans, les histoires, les murmures, le péché et tout. Voilà. Donc justement, ça, c'est lié à hein, ce, le, le, ce que je vous dis là avec le péché. On va parler justement du péché. Le péché et ses conséquences. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Nous voulons vraiment être disposés pour recevoir de toi ce que tu as pour nous. 3, 3 à partir du verset premier. Car si, quelqu si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle annulera la fidélité de, de l'okim Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur infidélité anéantera-t-elle la fidélité de l'okim Non, sans doute. Que l'okim soit vrai et tout être humain menteur. Waouh, ça commence bien. Donc nous sommes tous des menteurs. D'accord et pour ceux qui ne mentent plus, ben, ils ont ils ont été. Vous avez même les enfants mentent hein. Voilà, un enfant qui fait une bêtise, euh, qui a fait ça Ah, c'est pas moi maman, c'est pas moi maman. Ça. Et euh, maintenant, on continue. Selon qu'il est selon qu'il est écrit pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Car si notre injustice établit la justice de que dirons-nous Elohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère ou parle-t-il à la manière des humains Non, sans doute. Au contraire, autrement, comment Elohim jugerait-il le monde Et si par mon mensonge la vérité d'Elohim de a éclaté davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive de bonnes choses comme quelques-uns qui nous calomnient déclarent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. Quoi donc Avons-nous la prééminence sur les autres Donc là, Paul parle d'eux en tant que juifs. Est-ce que les juifs ont le dessus sur les autres Sont supérieurs aux autres Qu'est-ce que euh, la parole dit Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Ça, c'est fort. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste pas même un seul ça vous le savez on le sait parce qu'on a le Seigneur nous a permis de lire cette, cette parole il n'y a personne qui comprenne personne qui recherche Elohim tous ont dévié et ils se sont tous ensemble rendus inutiles il n'y en a pas un qui pratique la bonté non il n'y en a pas un seul leur gosier est une tombe ouverte et ils se sont servis de leur langue pour tromper un venin d'aspic et sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur voies, Et ils n'ont pas connu la voie de la paix. Et la crainte de Lokim n'est pas devant leurs yeux. Or nous, or, nous savons que tout ce que la Torah dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde devienne sujet. Au châtiment venant d'Elohim. Pourquoi Parce que tous, bien sûr, ont péché. Et euh, voilà. Et euh, on nous dit au verset 20 à cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui depuis les œuvres de la Torah. Car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Waouh Donc personne ne sera sauvé, n'est-ce pas, à partir ou depuis. Les œuvres de la Torah. Alors, ici, on a traduit vraiment le, le mot ek ici pour parler de l'origine. N'est-ce pas? Et euh, voilà. Depuis l'origine. Euh, Donc, personne ne pourra être sauvé sur la base des œuvres. En se servant des œuvres comme l'origine, comme le point de départ de sa justification. Comme le fondement de sa justification. Personne. Et. Euh, et ensuite, on nous dit que c'est par la Torah que nous avons reçu que vient la connaissance. Et le mot, le mot grec utilisé ici est différent de gnosis ou de la gnose, gnose, la connaissance. Et euh, c'est vraiment connaissance précise et correcte. Et ce terme-là, grec, est utilisé exclusivement pour le Seigneur, pour la connaissance par rapport au Seigneur, par rapport au péché. Voilà. Alors que la gnose, euh, la c'est la connaissance générale. Voilà. Je te connais un peu, tu me connais un peu. Bon, je sais qui est le président de la France, tout ça, c'est une connaissance générale. Je sais que le, 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 nous sommes sur Terre, connaissance générale. Mais le terme ici, connaissance précise et correcte, traduit en français par connaissance précise et correcte, est un terme bien spécifique pour parler de cette connaissance que, euh, que seul le Seigneur donne. Vous comprenez Voilà. La connaissance générale, tu peux l'avoir à l'école, mais cette connaissance, celle-là, là, la connaissance précise et correcte, ne peut émaner que du Seigneur. Voilà. Et voilà pourquoi Paul dit que cette connaissance nous vient de la Torah, justement. De quelle Torah parle-t-on ici Parce que nous savons qu'il y a la Torah cérémonielle, il y a la Torah sociale, civile, donc des lois, et il y a aussi la Torah, bien sûr, et, euh, et euh, morale, tout ça là, et, euh, Voilà. Et euh, bien sûr les questions de la torah euh, morale tu ne le tueras pas tu ne voleras pas Donc l'apôtre Paul nous dit ici que la torah morale la loi morale, la loi euh, de l'amour, cette loi et euh, euh, Paul en fait il dit que cette loi est comme un examen comme un diagnostic qui est fait sur un malade Voilà la loi je prends un exemple vous avez la loi morale on peut dire c'est... Euh, alors, moral est un... Égal, diagnostic. Le diagnostic qu'on fait sur un malade ou un examen, un scanner, tout ça, IRM, tout ce que vous voulez. Le but de ces examens-là, d'un examen médical ou d'un diagnostic ou d'un... C'est quoi C'est d'apporter l'éclairage ou la connaissance. Voilà. D'apporter la révélation sur l'état de la personne malade, du patient. Ça, c'est la loi morale. Bon, bah, tu peux éteindre, s'il te plaît. Oui. Voilà. Allume. Ça, c'est la loi morale qui vient, qui apporte la lumière. Et la loi morale apporte la lumière et là on voit l'état dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi le Seigneur a révélé la loi. Et euh, la Paul enseigne en disant que avant la loi, donc avant qu'elle ne soit promulguée, révélée parce que la loi a toujours été là bien avant Moïse, qu'elle soit morale, sociale ou civile, et comment dire cérémonielle, ça vous le savez déjà, mais elle n'était pas promulguée. Quand on lit que la loi dans Jean 1 a été donnée par le moyen de Mosché, cela ne veut pas dire que la loi commence avec Mosché, la loi a été révélée de manière officielle, la loi a été promulguée officiellement par, Moshe, par euh, le moyen de Mosché. Donc Moshe a été juste un médiateur, comme Paul le dit. Mais ce n'était pas euh, lui qui a révélé. C'était le moyen, le canal que le Seigneur a utilisé pour que l'humanité puisse avoir la Torah. D'accord Voilà. Parce que cette Torah-là, elle était dans la nature, elle était elle est spirituelle, elle était spirituelle et toujours spirituelle, la vraie Torah. Et euh, par exemple, le Seigneur a dit à, 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 à comment dire, à quand Caïn a tué son frère, Caïn, hein, littéralement. Le Seigneur lui a dit mais qu'as-tu fait La voix descend au pluriel, pas du sang, mais des sangs. L'hébreu ici parle de plusieurs sangs, c'est quand même bizarre. Hein la, la voix descend de ton frère crie jusqu'à moi. Donc on voit bien que le Seigneur ne voulait pas qu'on tue. Il a dit à, à Noah dans Genèse 9 je redemanderai à l'être humain le sang de l'être humain. Donc tu ne tueras pas. La loi du talion que l'on retrouve dans la loi de Mosché œil pour œil, dent pour dent. Donc cette loi, elle était déjà là, mais sauf qu'elle n'était pas écrite. Le premier à avoir mis par écrit cette loi, c'est Elohim lui-même, avec son doigt, il a écrit les dix paroles, comme vous le savez. Ensuite, il a adjoint à cette euh, euh, loi, ces dix paroles, soixante-trois autres lois. 603, pardon, autres lois. Donc, pour révéler le péché aux humains, le Seigneur va donner en tout 613 commandements. Donc, d'abord, 10 paroles que lui-même a écrites avec son doigt. Ça, c'est le socle, le fondement du monde. Et ensuite, il dit à Moshe maintenant voilà ce que je veux te révéler. Ça, ça, écrit. Ça, 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 ça. Ils vont, ils vont écrire. Ensuite, il va dire il ne va pas s'arrêter à Moshe. Il va se servir aussi de, de comment dire, Josué, Yeshua, Josué. Ta, 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 et Louis, il va rajouter aussi ensuite David et tout ça et, euh, et les prophètes Gad et tout ça donc ils vont rajouter des choses et ça fait en tout ça là en tout ben ça fait hein, le livre de la loi vous avez la Torah vous avez euh, les commandements les préceptes tout ça voilà donc tout ça c'est pour apporter l'éclairage donc tout ce qui est surtout la loi morale qui révèle l'état des humains qui révèle notre état parce que sans cette loi on n'a pas la connaissance du péché. Et cette loi est encore valable. Ces dix paroles ont été résumées en deux Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ou pour toi-même, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Donc, et euh, cette loi morale nous, nous donne la connaissance du péché. Et regardez ce que Paulos dit. D'abord, on l'a vu hein, dans euh, Romains 3. Il dit que c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Voilà. Regardez tout ce que l'on faisait dans le monde. Toutes sortes de péchés. On n'en avait pas la conscience. Hein, on savait qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bonnes, mais d'autres, pour nous, c'était naturel. Vous n'allez pas dire, si vous dites à un converti que convoiter une femme est un péché, vous allez dire, mais oui, qu'est-ce que tu me racontes, toi J'ai des yeux pour ça. Donc pour lui, ce n'est pas un péché. Pourquoi Parce qu'il n'est pas, pas éclairé. Il est dans les ténèbres. Vous comprenez D'où la nécessité d'apporter la lumière, d'apporter le message du Seigneur, l'évangile, justement. Et, euh, et euh, dans Romains 7, il dit ceci, au verset 7, que dirons-nous donc La Torah est-elle péché Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah, car je n'aurais jamais connu la convoitise si la Torah n'avait pas dit Tu ne convoiteras pas. On s'arrête là deux secondes. Donc voyez bien que toujours la loi morale a été, comment dire, le moyen utilisé par le Seigneur pour éclairer les gens. La loi morale a été comme une torche, comme une ampoule, comme une lumière. Comme un projecteur qui est venu sur nous et qui a montré notre état, notre état d'âme, d'accord Parce que la loi morale te dit ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, et tu reçois cette connaissance-là et cette connaissance quand une fois que tu l'as reçue, comment tu vas réagir Comment tu réagis une fois que tu es éclairé Paul le dit dans le livre de Romains toujours, chapitre 7. Regardez la suite au verset 8. Il dit mais saisissant l'occasion, le péché produisit en moi par le moyen du commandement toutes sortes de convoitises parce que sans la Torah, le péché est mort. Voyez? Mais autrefois, sans la Torah, je vivais. Ben oui. Autrefois, avant que nous n'ayons nous la connaissance par rapport au péché, sur le péché, sur le Seigneur, on vivait. Sur la chair, bien sûr. On vivait. C'est-à-dire à -dire, la boîte de nuit pour certains, hein, d'autres courent après les femmes, les hommes, d'autres fumaient. Donc on vivait dans le monde. Mais une fois que tu es éclairé, que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et qu'est-ce qui se passe comme Paul le dit, par le commandement, ben, toutes sortes de pensées impures sont venues. Voilà le combat dans lequel nous sommes jusqu'à jusqu notre départ de ce monde. C'est-à-dire avant ta conversion, tu n'avais pas, c'est-à-dire les pensées impures, c'était naturel, c'était ta, 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 une vie normale. Mais une fois converti, maintenant que tu es éclairé, eh ben le commandement, eh ben, le péché saisit l'occasion maintenant pour t'attaquer, pour te, te combattre. Et, et, et là tu te dis mais non mais attends mais depuis ma conversion je ne comprends plus. Là, là c'est attaque sur attaque, Je ne comprends rien. Et d'ailleurs beaucoup de chrétiens quand c'est comme ça ils vont demander la prière de délivrance. Ce, ce ne sont pas les démons toujours. C'est la vie chrétienne normale. Parce que Paul le dit, et il dit Mais autrefois, sans la Torah, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a pris vie. Oh donc le commandement, en fait, la Torah, l'évangile réveille le péché. Voilà pourquoi plus tu as la connaissance du Seigneur, plus le péché dans ta chair est réveillé. Et maintenant pour Paulos, pour ne pas que qu'il tombe un démon, un ange de Satan lui a été envoyé pour le frapper tous les jours pour qu'il reste humble parce que son péché à lui c'était l'orgueil. Plus il des révélations, des illuminations, des révélations, des apparitions divines, plus sa chair, le péché d'orgueil se manifestait. Et pour le garder dans l'humilité, un démon a été envoyé pour le frapper, pour que Paul soit toujours dans la faiblesse afin de se, de se plier devant le Seigneur. C'est pour cela que quand les gens demandent au Seigneur, « Seigneur, je veux euh, euh, l'onction, je veux... » Vous ne vous rendez pas compte. Plus le Seigneur t'élève, plus ta chair, la faiblesse de ta chair devient évidente. Les gens pensent que plus tu es dans le Seigneur, plus tu es fort par rapport au péché. C'est faux. Ils pensent que par rapport au nombre d'années dans le Seigneur, qu'ils vont être plus forts que les nouveaux. C'est faux. Au contraire, tu vas être plus faible encore. Parce que plus tu as la connaissance, plus tu as les combats. Plus tu as la connaissance, plus tu as des gens qui sont touchés, plus tu as l'idolâtre. Donc, plus tu as des combats, plus la chair se manifeste. Est-ce que vous comprenez la chose Qui commence à saisir des choses là Qui se rend compte que nous avons des. On est vraiment là, on a besoin du Seigneur là Hein Ouh Il dit, par le commandement, le péché a pris vie. Ben oui. Parce que avant la convoitise, pour toi, c'était normal. Maintenant, la loi vient, la loi dit, c'est le péché. Donc maintenant, il y a de l'excitation qui, qui se met en place automatiquement. Parce que tout interdit excite. Toute chose qui nous, qui nous est interdite, ah, t'as compris Anthony. <laughs> tu mets un mur, tu ne veux pas passer par-dessus. Tu dis, non, il faut que je découvre ce qu'il y a derrière. Mais quand il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de tentation. <laughs> Acclame le Seigneur. <laughs> Alléluia. Oh Seigneur, le péché, c'est terrible. Alors, vous comprenez pourquoi, honnêtement, plus ça va, plus je me rends compte à quel point je suis faible, je ne, je ne suis rien. À quel point on doit vraiment se cacher en lui parce que nous sommes dangereux, nous les humains. Hein Très dangereux. Trop excités pour rien parfois là. <laughs> Cette chair-là, l'âme humaine, la chair physique, l'âme aussi, nos problèmes, c'est tout ça là. Le péché dans la chair. Oh, Adonai. Il dit, sans le commandement, le péché est mort. Donc, c'est écrit, hein? Sans le commandement, le péché est mort. Donc, avec le commandement, le péché vit. Donc, plus tu as le commandement, plus tu as la parole, plus le péché vit. Ça va ensemble. Maintenant, pour ne pas que le péché qui est vie, qui a pris vie dans ta chair, te domine, il faut que tu meurs. Parce que le mort ne, ne réagit pas à la vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa propre croix. C'est-à-dire, ceux qui suivent le Seigneur sont les morts. Par rapport au péché, parce que si tu es vivant, là, comme le péché est vivant aussi, là, ben, tu vas tomber tout le temps. Parce que le vivant, c'est celui qui réagit. Le péché qui est vie, qui dit viens avec moi, comme tu es vivant, tu dis je viens parce que tu parles avec. Mais si tu es mort, si le péché qui est vie maintenant te parle, tu vas dire non, je, tu, tu ne diras pas parce que tu ne vas pas répondre parce que tu es mort. Les morts ne parlent pas, les morts ne, ch ne chantent pas, les morts ne bougent pas, ils sont morts. Voilà pourquoi le Seigneur, quand on lui a craché dessus, il ne bougeait pas. Quand on l'a insulté, ne bougeait pas. Il était déjà mort. Aïe, 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 hey aïe. Celui qui Dieu me suit, qui doit renoncer à lui, <laughs> ne réponds-tu rien de tout ce qui se dit sur toi? Mais nous, comment nous réagissons ici? Là on est trop vivants. À côté du péché qui est vivant, voilà pourquoi les gens à chaque fois ils échouent. Ils reçoivent l'onction aujourd'hui, mais ils sont tellement vivants. Hein? À côté du péché qui est vivant, ils sont chantres trois ans après, c'est trop, ils gardent pas l'onction, d'homme. Ils sont vivants. <laughs> Seigneur, tu nous enseignes. Hein? Honnêtement, je ne voyais pas les choses comme ça. Juste, c'est l'Esprit qui nous enseigne à chaque fois. Là, Paul dit dans Romains 6 Considérez-vous comme mort au péché. C'est écrit. Car le vieil, votre vieil, notre vieux a été crucifié. Il le dit, vous ne voyez pas. Donc la vie chrétienne commence par la mort. Car c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il ne peut avoir de fruits. <laughs> aïe, 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 aïe. Ah, c'est moi, tu as vu mon ministère, là Regardez, je suis dans la voiture, je chante, c'est moi le chantre, c'est moi le prophète, c'est moi. Mais ils sont tellement vivants. Voilà pourquoi le péché, il joue avec toute cette église-là, paganisée. Hein Divorcer, remuer trois fois, c'est normal. Ils sont, ils sont vivants à côté de la vie qui est la mort. La mort, euh, comment, le péché, le péché qui a pris vie. T'as pas vu que le jour de ta conversion, le jour où tu t'es converti, là, au début, ah, oh, mais plus, la plus tu lisais la parole, plus tu as commencé à avoir des attaques. Hein Alors qu'avant, quand tu te baladais, dans le monde, hein, tu vois une belle femme, tu regardais, c'était normal, c'était une vie. Le péché était mort. Tu étais le péché, mais le péché n'avait pas, pas cette vie-là. Mais le jour où tu t'es converti, maintenant, tu, pars, tu, tu marches comme ça, tu vois une femme. Oh non, Yeshua! Oh non, Jésus! On mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis combattu. C'est normal. Là, là, <laughs> Pourquoi Parce qu'il y a la, la, le commandement qui est en toi, hein, qui t'éclaire, et le péché qui est vivant. Maintenant, il y a une lutte entre les deux. La chair a des désirs, le le contraire de l'esprit, il y a une opposition entre les deux. C'est ça, il faut comprendre. Parce que le commandement active le péché dans ta chair. Alors. Frères, sœurs, et le commandement qui était pour, pour la vie, le commandement qui était pour la vie, hein, le commandement qui était pour la vie, comme Paul le dit, c'est pas. Attends, 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 il y a quelque chose, je vais relire le verset 9. Mais, autrefois, sans la Torah, je vivais, comme nous dans le monde, on vivait. Mais le commandement étant venu, étant venu, le péché a pris vie. Ça c'est fort. Hein Et moi, je suis mort. Bah ben oui, bah ben oui, bah ben oui. Le, le commandement a pris vie parce que la, 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 le, le commandement est venu. Le péché qui est endormi. Bien que tu t'aimes le péché, hein, mais tu n'étais pas conscient de cela. Donc du coup, le péché s'est réveillé. Ah la convoitise. Ah oh, co oh, Seigneur, je ne veux pas convoiter. Ah oh, la convoitise. Dis non, il faut, faut que tu regardes. Ah les oreilles, il faut que j'entende. Ah il faut que je mange. Ah il faut. Que... Mais c'est compliqué, Seigneur. Ah, la masturbation m'attaque. Alors qu'avant c'était normal. Mais maintenant c'est des attaques dans tout. Le... Oh, yeah, 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 yeah. oh, 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 C'est compliqué. Et je dis, attends, mais Paul dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe Et moi, je suis mort. Donc là, effectivement, euh, euh, soit tu meurs par rapport au péché, soit tu meurs, tu tombes dans le péché. et Là, tu meurs. Quand tu pêches eh bien, tu meurs. À chaque fois que tu pêches, tu meurs. Et là, il continue, lui dit, car le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement. Donc, le péché nous trompe. Vous vous en compte Ah oui. Donc, le péché a saisi l'occasion du fait qu'il a pris vie en nous. Hein Eh ben, il va maintenant nous tromper. Comment Par le moyen du commandement. Donc, le péché te dit, tu vois, donc, avant... Le commandement, avant l'éclairage, avant la Torah, qui t'a illuminé, là, qui t'a éclairé, tu, tu, étais, tu vivais normalement, tu vivais. Tu étais tranquille. Tu pas de mauvaises pensées comme ça qui t'attaquaient. C'était normal ces pensées-là. Maintenant que tu as été éclairé, tu as accepté le commandement. Regarde ce que le commandement te fait souffrir, te fait subir maintenant. Donc le péché commence à se servir du commandement pour maintenant t'attaquer. C'est pour qu'il beaucoup retourner dans le monde. Ah, là, je retourne dans le monde parce que j'étais mieux. Là, il y a le, la vie chrétienne, c'est beaucoup de combats quand même. Hein beaucoup d'attaques. Hein ah ouais, c'est chaud. J'ai du mal à tenir, là. C'est chaud, là. Actuellement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, j'ai pris le train, là. C'était chaud. L'été, là, c'est chaud. Oh là là, je ne vais pas partir aux Antilles. C'est chaud, là, actuellement, là. Ah, les îles, c'est chaud. Mais avant, c'était normal. <laughs> Amen. Et il dit... Le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par ce moyen. C'est terrible, hein? Donc là, quand tu es tué ici, tu, tu pêches, tu repêches, en fait. Alors que tu es converti, mais là tu retombes, tu retombes. Ah, oh, je, oh, voilà. oh, je suis encore retombé. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort, nullement. Mais le péché, et là c'est fort, lisez bien, écoutez bien, hein. nullement, mais le péché. Afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon. Donc, ce qui est bon, la Torah, la connaissance, la parole, qui vient te révéler le péché. Maintenant, le péché saisit cette connaissance-là que tu as eue sur ta vie pour te condamner. Ah là, j'en peux plus. Là. là, la barre est trop haute. Ah, c'est difficile. Ah, je mets les attaques dans tous les sens. Ah, c'est compliqué. Ah, Seigneur, c'est chaud. Ah, Seigneur, c'est chaud. Et là, Donc tout ça, le Seigneur permet pour que le péché devienne encore plus péché. C'est ça en fait. Pour que tu te rendes compte à quel point le péché est vraiment péché. Et là, il continue. Afin que par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Alors quand on lit ça, il y en a qui disent, mais attends, le péché qui devient pécheur, c'est bizarre. Non il n'y a pas eu... Euh... Non, c'est vraiment ça dans le grec. Donc le péché qui saisit l'occasion parce que tu as été éclairé par la parole du Seigneur, qui utilise la parole du Seigneur maintenant pour te condamner en disant, c'est à cause de la parole que tu es dans cet état-là de combat permanent. Et là le péché en agissant comme ça, il paraît vraiment péché excessivement et encore pécheur. Donc le péché, qui est déjà le péché, hein, mais qui pêche encore. <laughs> Waouh! Donc, le péché est un pécheur. Oui, c'est ce que la Bible dit. Le Seigneur dit la parole. Qui savait ça? <laughs> c'est grave. Donc, il n'y a pas que nous qui sommes, nous pouvons être des humains qui peuvent être des pécheurs. Le péché aussi est un pécheur. Waouh! Nous savons, en effet, que la Torah est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ou encore littéralement, vendu sous le péché. Sous la domination du péché. C'est ce qu'on a mis dans la nouvelle version, là. Vendu sous le péché. Donc, vous voyez bien que le péché est pécheur. Oui, c'est écrit comme ça dans le grec qu'on l'a vu. Le péché est excessivement pécheur. et péché est pécheur. et pêcheur. Excessivement. Et là, en plus, on nous dit que Paul dit, et moi, euh, 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 il dit, je reconnais que la loi est spirituelle. D'accord Donc c'est-à-dire la loi est au-dessus des humains, de la chair, au-dessus. Mais moi, Paulos, je suis charnel. Pourquoi Parce que le péché, qui est devenu excessivement péché et pécheur, a amplifié les désirs de ma chair. Et ça. Voilà pourquoi il dit Jésus charnel. Voilà pourquoi il a dit aux Corinthiens, vous êtes charnel. Paul, quand il parle ici, il parle en tant que croyant. Il ne parle pas en tant que pécheur dans le monde. Mais en tant que croyant parce qu'il a été illuminé. Pour vous montrer à quel point là, mes amis, là, on n'a encore rien fait. On n'est rien, rien là. La chair là. Il est en train de parler de sa conversion en tant que croyant, disciple du Seigneur, et non en tant que païen. Il dit la Torah est sainte. Le commandement est vraiment saint au verset 12 est juste et bon. C'est ce que je disais aux frères et sœurs dans le bureau. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est bon. C'est-à-dire qu'il est bon comment Mais il ne veut pas de malheur pour nous. Il ne veut pas que nous souffrions. Il n'a jamais voulu que nous souffrions. Si nous souffrions, si nous souffrons, ce n'est absolument pas à cause de lui. Et il ne nous envoie pas des malheurs pour que, pour, pour que nous souffrions, afin de nous enseigner. Frère, non, le Seigneur, notre Elohim, le Créateur, est tellement bon qu'il n'a jamais prévu que nous souffrions. Sinon, il n'aurait pas prévu, n'est-ce pas, l'éternité pour nous. Où il n'y aura ni la, la mort, ni la maladie, ni la souffrance. Voilà son plan parfait, le bonheur de l'humanité, la paix, la joie, la sainteté, tout ça là. Ne l'oubliez jamais. C'est ce que Paulos est en train de dire ici. Il dit la Torah donc est sainte. Donc séparée du, du péché. Le commandement est vraiment saint. Toujours séparé du péché. Le commandement est juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi, la mort nullement. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Nous savons en effet que la Torah est spirituelle, comme on l'a vu, mais moi, je suis charnel, vendu sous le péché. Car, oh, il dit, je n'approuve pas ce que je fais. Ce qui est bon, je voudrais le faire. J'ai le vouloir, mais la force me, me manque. Ben oui. C'est fort, hein? Le péché, là, frère, dans la chair. Tu es éclairé. Tu reconnais que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Tu es éclairé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu es condamné. Parce que le diagnostic est fait par la loi, par le moyen de la Torah spirituelle. La Torah qui est spirituelle. Donc, il est question de la loi morale qui dit tu ne convoiteras pas. Voilà. Maintenant, une fois éclairé ici, les gens se sont sentis condamnés. Parce que la loi morale te parle de la justice divine, des exigences de la justice divine que tu dois remplir. Mais tu te rends compte que tu es charnel et cette loi est spirituelle. Donc il y a un fossé entre vous deux. Et entre vous deux, il y a un abîme qui est infranchissable. Et qu'est-ce qui se passe Tu es condamné du coup. Prenons le cas d'une personne qui est atteinte du VIH. La personne vit normalement comme si de rien n'était. Parce que le virus dort. On est d'accord, hein On est d'accord. Le virus, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, hein C'est un virus assez particulier. Il s'endort. Littéralement. Mais la personne n'est pas encore malade, mais elle est. Elle est porteuse, porteuse de cette maladie, de ce, de ce virus. Cet homme est porteur de ce virus, mais la maladie, n'est-ce pas, n'est pas encore déclenchée. Mais le virus est là, il dort. Maintenant, on le fait à un examen médical, en sérologie tout ça là. Et là, tac, le diagnostic révèle la séropositivité. Le malade dit :« Mais mais je suis pas en bonne santé, mais je vis. Oui, mais en fait, tu es malade. » Mais comment je suis condamné, je vais mourir. Oh, oh, oh. Non. Bon, écoute, il n'y a pas de traitement pour l'instant. On te propose la trithérapie. Or, la trithérapie, maintenant, c'est la loi cérémonielle qui ne te soigne pas, mais qui te garde en vie jusqu'à ce qu'il y ait la, le traitement, le remède, hein, que le remède soit là. Voilà pourquoi la loi de mocher les sacrifices d'animaux n'ôtait pas le péché, mais cette loi couvrait simplement le péché. Mais le mal était là, le vice était là, couvert simplement. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le remède vienne. Qui ôte le péché du. Hey Tu as compris ça, frère et soeur Tu as compris, mon frère Alléluia Oh Seigneur Le péché. Regardez. Il dit au verset 16 Or, si je ne fais pas ce que je veux, je reconnais par là que, ce ne, que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. <laughs> ça, c'est terrible. Comment il a su qu'il n'y qu avait rien de bon en lui C'est parce que la loi lui a été révélée. Donc, quand vous dites que cet homme-là a un cœur qui est un bon cœur, non Qui, qui, qui a dit ça Aucun humain. Mais bon. Il n'y a de bon que Elohim seul. Il dit Je sais que à, à moi là, il n'y a rien de bon. Car je sais que qu'il n'y a rien de bon à moi, c'est à dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Il dit Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais, que je ne veux pas. Et encore il dit, si j'accomplis cela, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, le mal est attaché à moi. Vous n'avez pas vu ça? Tu prends la résolution que cette fois-ci-là, je vais avancer avec le Seigneur. Hein? Cette fois-ci. Combien de fois t'as dit cette fois-ci? Adam l'a dit une seule fois. Mais toi, t'as dit combien de fois avec les femmes? Salomon a dit mille fois. Cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. L'os de mes os, la chair de ma chair. Mille, mille fois. Et hey, il est mort. Hein? <laughs> la polygamie. Combien de fois t'as dit à une femme cette fois-ci, cette fois-ci, combien de femmes t'as dit ça? C'est juste une parenthèse. À combien d'hommes as-tu dit ça? <laughs> oh Seigneur, tu prends une bonne résolution. Cette fois-ci, je veux commencer à prier. Je veux commencer à jeûner. Je veux commencer à prier à trois heures du matin. Une semaine, c'est trop. On est, soyons soyons honnêtes, hein. Te voilà, Robelote, tu dors toute la nuit. <laughs> hein? Ah, c'est la vérité, bien sûr. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais vécu ça? Il n'y a rien de bon dans cette chair là. Hum et, 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 il dit, il dit ah, je veux faire le bien, je veux faire le bien, mais le mal est attaché. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 15 par l'esprit, la chair ne peut, la chair, la chair et le sang ne peuvent hériter le roi, du royaume. Vous avez vu Ben oui, on est, on est mal barré avec ça. La chair. Tu prends un esprit humain d'un noir et un esprit humain d'un blanc. C'est la même matière, sauf que la carcasse, les carcasses sont différentes. Regardez ces deux carcasses là comment elles font la guerre. La guerre. Toi t'es blanc, moi je suis blanc, moi, moi je suis noir. T'es blanc, moi je suis noir. Donc guerre. Ah non toi t'es africain, moi je suis antillais. Et pourtant les vrais habitants de ces maisons là, la, ils sont pareils. Le vent, Pff, la même chose. Pour vous montrer que pour la chair, est compliquée. Là. Vous avez vu? Waouh, Seigneur. Et le péché c'est ça. Voilà notre combat là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, chaque jour, il doit prendre sa croix. Pourquoi? Parce que la chair, le péché utilise notre chair. Le péché trouve sa force dans la chair. Et cette chair-là, eh ben, on l'a remplie de diplômes, de plus d années d'études, on l'a remplie de maquillage et tout. Donc vraiment, nous avons des problèmes. <laughs> Ah tu veux épouser tu veux épouser euh, tu veux épouser une Antillaise mais toi t'as vu ça où là toi ouais mais mais voilà la chair vous avez vu voilà pourquoi Paul dit je suis... il dit aux Corinthiens vous êtes charnel charnel toi tu veux épouser une africaine mais t'es encore à ce niveau là toi mais toi, tu veux épouser un français un, un blanc un, 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 un sénégalais un, 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 un libanais mais, mais, ça va pas là mais c'est quoi ce chrétien hein voilà vous voyez comment le péché opère là quand vous entendez ça, c'est le péché qui opère. Le péché dit, je suis là, vous ne voyez pas, mais je j'opère. Qui s'aperçoit qu'il a des problèmes La chair. La chair, c'est l'arme du péché. Pour attaquer ton esprit. Pour empêcher ton esprit d'aller au ciel pour empêcher mon esprit d'aller au ciel. Parce que nous sommes appelés en tant que esprit à retourner au ciel. Vous comprenez Voilà. C'est pour cela, le Seigneur, pour nous libérer de la chair, du péché, il a pris la même chair. Et il a dit quoi L'esprit est toujours prompt, bien disposé, mais la chair est faible. Si Yehoshua dit ça, c'est qu'il a, il a vu. <laughs> Un jour il se baladait comme ça, fatigué. On nous dit dans Jean 4, il est au choix fatigué du voyage. Il n'a jamais péché, hein ça c'est clair. Mais fatigué du voyage, il s'est assis. La chair, ah la chair, vraiment. <laughs> Waouh, Seigneur. Il dit, car je prends bien plaisir à la Torah d'Elohim quant à l'homme intérieur. Ouh! Quant à l'homme intérieur, tu prends, mon frère, je prends plaisir à la prière, à la Torah. Il le dit, l'homme intérieur. Donc en fait, ton vrai toi, comme tu le sais, mon vrai moi, là, c'est mon intérieur, ton esprit. Ça, vous, vous le savez, nous sommes de locataires. Voilà. Quand ton contrat d'habitation est terminé, le bailleur te vire. C'est ça la mort. <laughs> oh non, on n'est rien. Le corps. Nous mettons des animaux dans les frigos et nous-mêmes, à notre tour, on nous mettra dans des frigos. Voilà la chair. Alors pourquoi se glorifier Ça sert à quoi À quoi bon amasser, 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 amasser C'est pour finir comme ça. Vanité de vanité. Tout est vanité. Le péché. Il dit Je prends plaisir, je prends bien plaisir à la Torah d'Elohim quant à l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte dans la Torah de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh Attendez, attendez, attendez. Il dit que dans ses membres, il y a une autre loi. Laquelle, à votre avis La loi du péché. Voilà. Donc, le péché a une loi. Il y a une loi du péché, parce que nous parlons du péché. Et l'apôtre Paul parle de ses membres. De quels membres parle-t-il ici Regardez bien, frères et sœurs, nous sommes dans Ephésiens 5. Regardez Ephésiens 5. Waouh. Seigneur, sauve-nous. Attendez. Ouais, colossiens 3 verset 5 plutôt colossiens 3 5 et regardez ce qu'il dit ici faites donc mourir quoi là à ah, vos membres alors lui second et les autres ont mis faites donc mourir ce qui est dans vos membres hein ce qui est dans vos ou ce qui sont dans vos les choses qui sont dans vos membres mais en fait non faites donc mourir vos faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire la relation sexuelle illicite. C'est fort ici. Hein? Paulos est en train de dire que la relation sexuelle illicite, c'est-à-dire toutes sortes de euh, toutes sortes de sexualité, dépravation sexuelle, tout ça là, toutes sortes de dépravation liées au sexe. Il dit tout ça là. C est, c est, ce sont nos membres. Toutes ces choses là. Vous vous rendez compte Donc ça veut dire que la chair là. L'impunicité, c'est un des membres de, de, de ton corps, de mon corps. Voilà ce que le grec dit littéralement ici. Hmm. Pour vous montrer à quel point la chair est grave. Hmm. On a traduit ça littéralement. Hein. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite, c'est un membre. L'impureté, un autre membre. La convoitise, un autre membre. Le mauvais désir et la cupidité, d'autres membres. L'idolâtrie, un autre membre. Vous vous rendez compte La colère, la fureur, la malice, la calomnie. Hein Frères et sœurs, comment voulez-vous tenir face au péché si vous ne savez pas qui vous êtes Les traducteurs, très religieux parfois, très raisonneurs, ont rajouté des mots pour diluer la chose. Comment En traduisant différemment ce passage, c'est comme s'ils se, se disait, mais attends, mais comment l'impunité peut être un, un de membres de la chair Mais c'est ce que la parole dit. Voilà pourquoi même si tu es marié, là, tu as toujours des tentations. tentations. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Parce que c'est un... Maintenant, pour gérer tous ces membres-là, c'est la croix qu'il faut porter chaque jour. Tu dois savoir qui, qui tu es. Tu es un esprit, tu habites un corps qui a des membres terrestres. L'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, tout ce que vous voulez. Voilà. Et l'apôtre dit par l'esprit Faites mourir ces membres-là. Donc, je vous dis que la, la vie chrétienne commence par la mort. C est, c est, la vie chrétienne, c'est une mort perpétuelle jusqu'au retour du Seigneur. Cette mort par rapport au vieil homme. Voilà. Le vieil homme, c'est qui? C'est quoi? Le vieil homme ou le vieil être humain? C'est l'homme adamique qui est prédisposé au mal. C'est-à-dire ta nature humaine, ma nature humaine, l'âme humaine. C'est terrible. Et le péché le sait. Le péché le sait. Voilà pourquoi des églises sont détruites, des chantres sont détruits à chaque fois, des pasteurs sont détruits, parce qu'ils ne sont pas conscients de ces choses-là, parce qu'ils ne prennent pas la croix pour aller devant le Seigneur. Parce que quand tu prends la croix, là, tu meurs. Mais si tu meurs, là, on ne va pas voir ton, ta tête à gauche à droite. On ne va peut-être pas te parfader comme ça, aller te montrer, je ne sais pas où. Mais parce que tu es mort, tu es mort, les morts, là, on les enterre. Mais c'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, la base, une des bases de la vie chrétienne. Nous devons mourir et nous cacher en lui. Mais si tu t'es pas mort, là, c'est toi qu'on va voir, c'est toi qu'on va glorifier, c'est toi qu'on va élever. Et là, tu vas pas faire long feu. Parce que plus tu exposes tes membres qui sont déjà problématiques, plus ils vont être alimentés, nourris par les belles paroles des hommes, par le regard des humains, et là, t'es T'es à chaque fois t'es gonflé à bloc, tu vas avoir une tête comme une, comme un melon, tu vois. C est, c est, et là c'est là t'es t'es fini. C'est exactement ce qui se passe. Et là tu vas comprendre, tu vas croire que l'élévation c'est quand on t'acclame, que l'élévation c'est quand t'es assis sur, un, sur une estrade, que quand tu mets tes photos, des affiches partout. Mais t'es mais t'es bien mort. C'est fini là c'est là c'est fini. La l'élévation c'est l'intérieur. C'est la vie, la, la, la vie chrétienne, c'est la vie intérieure. C est, c est, le christianisme véritable, c'est le, dans le secret. Paul le dit dans Romains 2. Le juif, c'est celui qui est dans le cœur et non dans les apparences. Revenons à l'évangile. Revenons au message apostolique. Revenons au fondement des apôtres et des prophètes. Revenons à l'essentiel. Frères, sœurs, faites donc mourir. Paul s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux Colossiens. C'était des croyants, des croyants. Et il leur demande de faire mourir encore, d'être mort encore là. Vous voyez bien, lui-même était mort en permanence. En permanence. En permanence. Chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, tu meurs, à chaque fois, tu meurs, à chaque fois, tu meurs, fois, tu meurs. meurs. Ces membres-là, ils ont d'autres problèmes. C'est un problème terrible. Il y a un passage dans Daniel. <laughs> oh Seigneur, on va aller voir ça. Oh Père. Daniel 9, 21. Qui peut nous lire ça? Alors, on va faire ceci. Je veux... on va... Vous allez voir à quel point le péché exploite la faiblesse de la chair. Hein? Regardez, prenez le lexique biblique dans, dans vos portables. Allez voir Daniel 9. Le péché. Vous y êtes Et on disait à l'école, nous y sommes. <laughs> Ça, c'est une des choses que j'ai retenues de l'école. <laughs> Alléluia. On oh, disait comme des perroquets. Là. Seigneur, tu es magnifique. <laughs> Daniel 9, 21. C'est écrit quoi Que, tout le monde est là Ludovic, ouais. tu, tu, tu es dessus Qui peut le lire pour nous Là, on n'est pas dans l'abîme. Hein ben, J'essaie, on est dans 8 secondes. Alors, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. OK. Là, on parle de... de quand l'homme Gabriel... On est d'accord hein Donc on parle de l'homme. Donc Gabriel, qui est un ange à la base, est devenu un homme. Vous êtes d'accord ou pas avec la parole Ok. On nous dit que Daniel dit que Gabriel est venu comment D'un vol Rapide, c'est ça Ok. Cliquez sur Vol. On va voir si c'est vraiment un vol. Si cet homme l'a volé. Parce qu'on nous parle d'un homme. Si les hommes volent. C'est être ou devenir. Être fatigué, être faible. Est-ce qu'on parle du vol là Non. Hein on parle de l'envol ici. Non. Mais pourquoi ils ont traduit ça par vol Alors que ce n'est pas. On parle pas de vol. Un, un homme ne vole pas. On parle de fatigue, épuisé. Voilà comment ils nous ont roulé à la farine. Oui, Jessie donc, l'homme Gabriel, quand Gabriel est venu en tant qu'homme, il a dit c'est un ange, mais il a pris une forme humaine. Et en prenant la chair humaine, Gabriel a goûté à la fatigue de la chair. Pas le péché, mais la fatigue. Et Daniel a dit qu'il est venu vers lui épuisé, parce qu'il courait pour apporter le message. Pour vous montrer que la chair est faible, comme le Seigneur l'a dit. Et les traducteurs religieux. Pour la plupart, on dit non, 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 on va mentir ici parce que ça nous choque qu'un qu ange soit fatigué. Non, on ne parle pas de l'ange, on parle d'un ange qui a pris la forme humaine. Quand l'homme, Gabriel, cliquez sur l'homme pour vérifier si c'est vraiment l'homme. Oh Seigneur, sauve-nous. L'homme, c'est marqué euh, homme, le mâle. Le mâle, pas la femelle, mais le mâle. C'est être humain, une personne contraste avec Dieu. Ah Contraste avec Dieu, Dieu, donc Elohim. Oui. Serviteur, grand homme, quelqu'un, chaque. Voilà. Donc il a pris la forme humaine et il était épuisé parce que comme, comme un être humain normal. Vous voyez? C'est pour cela que ces anges, quand ils, arrivaient, euh, quand ils sont arrivés dans Sodome, ils ont mangé parce que c'était des humains. Ils sont devenus comme des humains, ils ont pris la forme humaine. Vous comprenez un peu Voilà. Les esprits ne mangent pas. C'est pour cela que les anges ont pris la forme humaine, ont eu des rapports avec des femmes, ça a donné naissance aux enfants. Soyons dans l'esprit, les, frères et sœurs. Donc voyez bien que ces anges-là, quand ils ont pris la forme humaine, ils ont eu des envies pour coucher. Ils ont couché. Qui est choqué La chair. Vous comprenez maintenant pourquoi Elohim lui-même qui est Esprit s'est dit si je ne prends pas la forme humaine et toutes les faiblesses liées à la chair, sans péché, l'être humain à cause du péché qui joue sur sa chair et sa chair qui est faible, tous ses membres impulsés, tout ça ne pourra pas être sauvé. Aïe 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 oh aïe Alléluia Oh Seigneur Tu es magnifique Ah oui Voilà pourquoi sa chair a été déchirée comme ça frère et sœur Vous comprenez maintenant Il a pris la chair Il a déchiré sur la croix frère et sœur Waouh! 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 Gabriel en tant qu'ange, il ne va pas se fatiguer parce qu'il a, a un esprit. Mais quand il a pris la forme humaine là, pour libérer le message à Daniel, <laughs> épuisé comme tout être humain. Ça, c'est un message. Voilà Pourquoi ne pas traduit les choses correctement? Et nous, comment on a traduit ça ben Comme c'est comme écrit, c'est dit. Et euh, je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé et fatigué, s'approcha de moi. Autant de. Vous voyez quand a vu de, Donc fatigué, épuisé, il s'est approché pour lui parler. Voilà. Et là, ils mettent d'un vol rapide. <laughs> non, quand même, là, les amis, là. Non, on ne peut pas mentir quand je juste à ce point-là, quand même. Il y a des gens disent oh, « pourquoi ils ont traduit la Bible Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi, enfin bref, pour que ça nous soit béni Le péché. Le péché. Et l'apôtre Paul dit, dans Romains 7, toujours, pour finir. « Misérable être humain. » Donc il dit, « Je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon esprit. » Donc, il y a une lutte. Voilà pourquoi il parle de la chair qui est en combat avec l'esprit. La chair qui désire le contraire de l'esprit d'un galate, ça vous le savez. Donc ce combat-là, on l'a tout le temps. Il faut en être conscient. Il faut être conscient de ce que nous sommes, que nous sommes des esprits, habitants des corps physiques, des corps malades. Voilà. Et le péché n'attend que ça. Une seule occasion pour nous faire tomber. Voilà pourquoi la parole dit fuyez l'impudicité. La parole ne dit pas résister. Fuyez l'impunité. Voilà pourquoi Joseph avait, Joseph avait fui. Parce qu'il était conscient de sa faiblesse. Et cette loi me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, et il n'a pas dit qui était, hein misérable être humain que je suis. Voilà. Qui me délivrera du corps de cette mort Je rends grâce à Elohim par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par l'Esprit, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair de la Torah du péché. Donc il est en train de dire qu'il est, par rapport à la chair, donc la chair est toujours esclave de la Torah du péché. Maintenant, comme la chair est esclave de la Torah du péché, elle n'en sera délivrée que à la mort. Physique ou lors de l'enlèvement de l'église. Ça, il faut en être conscient. Donc, ta chair, là, avec ses membres, ma chair avec ses membres, l'impudicité, la convoitise, l'idolâtrie, la colère, la haine, le racisme, la jalousie, l'orgueil, tout ça, là, tous ces membres-là que nous avons, là. Frère, Jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement, pour pouvoir contrôler ses membres, les contrôler. Nous avons besoin de la croix, c'est-à-dire de lire la parole tous les jours, de la méditer, de prier, d'obéir de, de à la parole du Seigneur, de prier pour avoir la force pour dire non à chaque fois à ses membres. Vous comprenez Voilà Et il le dit, il dit, par l'esprit, je suis en effet l'esclave de la Torah de l'Okim. Ça, c'est l'être humain intérieur. L'être intérieur qui est esclave de la parole du Seigneur. Mais la chair est encore jusqu'à la mort esclave de la loi du péché. Voilà pourquoi on est partagé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, verset, chapitre 8, verset 1. Pour ceux qui sont à Yeshua Mashiach, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Parce qu'il faut faire sauter les chapitres pour continuer la lecture, pour voir qu'il y a une suite logique. Car la Torah de l'esprit de vie en Yeshua, Mashiach m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Voyez? Donc, chaque jour, donc nous avons été rendus lib libérés, mais chaque jour, en étant dans l'obéissance, nous vivons, nous exploitons, nous expérimentons plutôt cette liberté-là. Acquise à la croix. Mais si tu sors de la présence du Seigneur, eh ben, tu automatiquement, tu redeviens esclave encore, physiquement et littéralement, et là tu vas commencer à pratiquer le péché. Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était affluée par la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et à cause du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la Torah soit accomplie en nous. Qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Waouh Alors qu'est-ce que le péché Le péché. Paul, Jean le définit. D'abord le péché, comme vous le savez, que ce soit en hébreu, en grec, signifie manquer la cible, quitter le droit chemin. C'est ça, ça le péché. La déviation, tout simplement. Mais le péché, c'est aussi hein, la pratique de l'iniquité. Ah, oh Seigneur. 1 Jean 3, 4. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah. Car le péché est la violation de la Torah. Voilà la définition aussi. Une autre définition du péché. Le péché, c'est la violation de la Torah. De laquelle La Torah spirituelle. Celle qui nous a éclairés. Comme on l'a vu dans Romains 7-7. Paul disait, je n'ai connu de péché que par la Torah. Car la Torah a dit, tu ne convoiteras pas. Donc maintenant que tu sais que convoiter, c'est pas bon et si tu le fais volontairement, tu violes cette loi qui t'interdit de le faire, et c'est ça le péché. Donc, le péché est avant tout un état d'esprit. Un état dans lequel tu es. C'est-à-dire, même si tu n'en es pas conscient, tu es dans le péché. Même si tu ne pratiques pas volontairement le péché, mais le péché, c'est aussi un état d'esprit. Voyez? Et ensuite le péché est l'acte délibéré que l'on va poser. Et là c'est la violation de la Torah. Tu violes la Torah. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 24 qu'avant son retour, eh ben l'amour de la vérité va se refroidir et la Torah sera de plus en plus violée. Donc à chaque fois que tu pêches, tu violes la Torah. À chaque fois que je pêche, je viole la Torah. Et il est impossible à l'être humain de ne plus pécher. Mais il est possible à l'être humain, grâce à la grâce du Seigneur, oui, grâce à la grâce. Grâce au Seigneur, il est possible de ne pas pécher, plus pécher volontairement. Alléluia. Parce qu'il nous donne les moyens de ne plus le faire. Mais à condition d'être constamment avec lui. Pour ne pas pécher volontairement. Maintenant, il y a le péché qui conduit à la mort, le blasphème contre l'esprit. Ça, Jean nous dit dans 1 Jean 5 que ce péché-là, quelqu'un qui le commet ne pourra pas être pardonné. Le Seigneur l'a dit aussi. C'est un péché qui est vers la mort, littéralement. Celui qui voit son frère commettre un péché qui est vers la mort, un péché qui d'emblée tout le temps vers la mort. Voilà. Et, euh, et là, quand c'est comme ça, il ben, n'y a plus rien à faire. Il y a eu un enseignement là-dessus, sur ce péché. Premièrement, on attribue l'œuvre du Seigneur à Satan. Ensuite, on va euh, voilà, poser des actes délibérés hein, contre le Seigneur. On va violer la loi. Le Seigneur va être attristé. L'Esprit va être attristé. Attristé par l'Esprit du Seigneur, nous dit la parole. Et ensuite, si on continue comme ça, alors que le Seigneur nous... A, nous, nous si tu continues alors que le Seigneur t'interpelle, ben, à un moment donné, tu vas être... Ça, la deuxième étape. L'Esprit va être euh, éteint. 1 Thessaloniciens 5, 23, n'éteignez pas l'esprit. Voilà, 19 et tout. 1 Thessaloniciens 5, 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Donc là, l'esprit est éteint, c'est la mort spirituelle. Voilà. Et si tu continues dans le péché, alors que le Seigneur t'interpelle, si tu continues à pratiquer le péché, tout ça, euh, personne ne te voit, mais le Seigneur te voit. Et à un moment donné, eh l'esprit va être ôté. Et là, le Seigneur dit euh, si, tu te, si tu ne te repends pas, à l'église d'Éphèse, dans Éphésie, dans Apollos, c'est 2 j'ôterai ton chandelier de sa place. Et là, si l'esprit est ôté, ben, c'est l'esprit d'égarément qui vient. Et là, il n'y a plus rien à faire. Et c'est le cas de beaucoup de gens personnellement que j'ai connus. Là, il n'y a plus rien à faire. Et quand à chaque fois le Seigneur me disait, celui-là, c'est fini. Les gens disaient, non, mais il n'y a pas l'amour, tout ça. Parfois, on a du mal. À, enfin, du mal. Parfois, quand on parle avec les uns et les autres, parfois, c est, c est, on se dit, mais on risque d'être mal compris. Pourtant, on perçoit certaines choses. Bon. C'est pour qu'il faut la, la sagesse, la, la prudence et, euh, et, euh, pour, pour que les gens aussi eux-mêmes découvrent des choses. Et on a vu des gens comme ça qui, euh, qui étaient là, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs qui avaient la grâce. On a vu ces gens euh, minimiser leur, euh, leur chair, refuser, on les a vu refuser de croire, de reconnaître qu'ils qu étaient faibles. Je me rappelle un jeune prophète, ce je que le Seigneur disait beaucoup, puissamment, une onction terrible. Il prophétisait, là. Oh, on, à chaque fois, on était plaqué au sol. Le Seigneur descendait et tout, et voilà. Et un jour, on discutait. Je lui dis, je disais, fais attention au péché, fais attention à la chair. Il me disait, oh, papa, même si on me tire dessus, les balles, tout ça, vont ricocher parce qu'il y a l'onction. Et aujourd'hui, il a tout abandonné. L'église qu'il dirigeait, quelque part, est complètement détruite. Et, euh, voilà, il a reparti dans le monde, euh, tatoué de partout, euh, des, locks, des dreadlocks, tout ça partout. Euh, et, euh, voilà, il a créé carrément, apparemment, un orchestre, tout ça pour euh, faire de la musique mondaine et tout, profane. Voilà, il est plus qu'atteint parce qu'il a cru que l'onction, n'est-ce euh, pas, le dédouaner de euh, la faiblesse charnelle. Et euh, voilà, et Paul, l'apôtre, le grand apôtre, était conscient de sa faiblesse. Et il dit lui-même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand sa faiblesse se manifestait au niveau de l'orgueil, et pour ne pas tomber dedans, il se pliait devant le Seigneur et prier, méditer la parole. Et là, le Seigneur le gardait. Voilà pourquoi souvent il était en prison pour être protégé, gardé. Vous voyez et si tu vas aller jusqu'au bout de ta mission, tu dois avoir, tu dois savoir qui tu es. Comment veux-tu diriger les autres alors que tu ne sais pas qui tu es toi-même pour pouvoir déjà te diriger Par l'esprit. Comment veux-tu prendre en charge les autres si tu as du mal déjà à te prendre toi-même en charge Paul disait à Timothée, Timothée 4,16 Veille sur toi-même et sur la doctrine, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. D'abord toi-même. Et euh, tous les hommes et les femmes du Seigneur qui ont atteint leur mission, qui ont rempli correctement leur contrat avec le Seigneur, leur mission, qui ont achevé la course parfaitement, c'est des hommes et des femmes qui, non seulement avaient la connaissance du Seigneur, mais savaient qui ils étaient, ils connaissaient leurs faiblesses, et en fonction de cela, ils prenaient des décisions, ils euh, vivaient euh, sagement, Vous voyez. Et euh, donc c'est important de souligner, de comprendre cela. Qui tu es réellement Quelles sont tes faiblesses Et il faut savoir aussi que les faiblesses que nous avions dans le monde sont toujours les faiblesses d'aujourd'hui. Ces faiblesses-là ne sont pas parties. Elles sont simplement contrôlées par la présence du Seigneur, mais elles sont toujours là. Si par exemple ta faiblesse était la convoitise ou la masturbation, une fois converti, le Seigneur te libère de ça parce que la conversion c'est c'est ça, c'est le retour au Seigneur. Donc on arrête de pratiquer le péché. C'est la conversion. C'est pas on tombe aujourd'hui, on revient encore, on tombe, on, on retombe. Non, ça c'est pas la conversion ça. Voilà. Là, soit il y a eu la conversion et là tu es tombé une fois et tu n'as pas voulu parler et puis les démons sont revenus, tu es devenu pire qu'avant. Là, il faut la délivrance dans ce cas-là. Mais la conversion c'est vraiment l'arrêt la, la, du péché volontaire. Et là maintenant, écoute, donc, si ta faiblesse dans le monde c'était par exemple les femmes et, et que la cigarette n'a jamais été ta faiblesse, mais dans le Seigneur, l'ennemi ne va pas te chercher par la cigarette. Vous voyez Parce que l'esprit qui sort d'un corps, nous disait à Matthieu, Matthieu 12, le Seigneur dit dans Matthieu 12, lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, d'une maison, il va vers les lieux sans eau, hein, et non les lieux arides, sans eau. c'est aussi quelque chose qu'on a corrigé. Donc, sans la parole. Voilà. Et il va chercher du repos, il ne va pas en trouver, et il dit Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vite balayée et ornée, il s'en va prendre prend cet autre esprit plus méchant que lui, et il s'y Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, vous voyez bien que. Et, euh, donc le démon il s'en va, le démon de sexe qui t'attaquait, qui alimentait ta chair, mais la faiblesse de la chair est toujours là. Mais le démon est parti, mais la chair est toujours là. Et qu'est-ce que ce démon va faire? Il dit mais c'est ma maison. Et tout jusqu'à ta mort, là, il va toujours chercher à revenir. Voilà. Maintenant, il faut que tu sois conscient de cela. Donc maintenant, si ta faiblesse c'est les femmes, alors une fois dans le Seigneur, bah, évite maintenant de te retrouver des femmes à gauche et à droite. Quand j'entends des jeunes euh, en Afrique notamment euh, dire, Oui, mais ben, ce monsieur, en parlant de moi, il enseigne un frère ne peut pas se retrouver seul. Quelque part, avec une. Avec, vous voyez, moi, quand je reçois une soeur... déjà, je ne reçois pas une femme seule dans mon bureau, c'est rare. Aujourd'hui, quand une sœur est venue, ben, la porte était ouverte. Voilà. Jamais elle va rester fermée. Jamais. Jamais je vais recevoir une personne seule. Toujours, je vais à un frère qui soit là. Vous voyez Donc, j'entends des jeunes qui viennent à peine de commencer le ministère, qui, ont, euh, qui, 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 qui disent Oh non, mais. Euh, qui, partent un, euh, qui sont partis au Cameroun, m'a-t-on dit, et puis ça dit là-bas, non, mais, ouais, mais un frère peut se retrouver seul avec une sœur, tout le temps, il n'y a pas de problème. Je, le Seigneur s'est re se retrouvé seul avec la femme samaritaine. Vous voyez, quand je vois cet orgueil, cette, 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 cette immaturité de ces jeunes prédicateurs, je me dis, vraiment, cette génération est perdue. Voilà pourquoi, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Il y a certains jeunes prédicateurs, je veux même pas, le Seigneur ne veut même pas que je les vois, Parce qu'il y a tellement d'orgueil. J'ai vu des grands prédicateurs selon les hommes et selon le Seigneur, avec une notion de prédication terrible. Il y a 35 ans, 36 ans, je les ai vus tomber avec des femmes, vous n'avez même pas idée. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient forts, qu'ils pouvaient gérer. Vous, vous vous comparez au Seigneur quelle, quelle immaturité, quel orgueil! Le Seigneur était dans une pièce enfermée avec une femme ou il était dehors comme tout le monde? Hum c'est pourquoi, quand je pars en Afrique, il y a des jeunes prédicateurs. Ce n'est pas de l'orgueil. Je, 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 je les Je les chasse. Des je dis, chasse Je là je ne vais pas le voir. là je ne vais pas le voir. Ils sont bouffés d'orgueil parce qu'ils pensent tout connaître, parce qu'ils ont quelques personnes dans, la, dans le crâne. Et cette génération qui ne reconnaît même pas des pères, c'est comme, comme la parole le dit. Ils vont être rebelles, rebelles aux parents, rebelles aux parents. Voilà pourquoi les aînés, tout ça, c'est le péché. Hein les aînés là, on les parque dans des maisons, dans les des, 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 comment, les, dans les EHPAD. Hein alors que et, et, et on, va, on met des jeunes professeurs, alors qu'eux, là, ils ont de l'expérience. On va, on, on va, les parquer dans les EHPAD là-bas là, alors qu'ils ont, y en a, ils ont vécu l'histoire. Hein, hein et on met des bibliothèques pour que les gens aillent lire l'histoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Mais ceux qui ont vécu l'histoire, histoire, certains que vous lisez dans les livres, mais il y en a qui sont encore en vie. Hein, l'histoire contemporaine notamment. Mais pourquoi ne pas aller les consulter hein Vous vous rendez compte Toute cette connaissance-là, gâchée. Parce que les gens sont affaiblis physiquement. Mais il y en a ils ont encore leur tête, qui ont encore des choses à nous apprendre. Vous voyez Heureusement que certains euh, vont sont sollicités pour aller hein, donner, parler un peu de la, troisième, la, la Deuxième Guerre mondiale aux élèves, tout ça. J'ai vu des émissions comme ça. Vous vous rendez compte C'est la génération qui veut ça. Alors, ah ben nous, on est de la nouvelle génération. Eh ben, les vieux, c'est fini, tout ça. Eh ben, nous, c'est la génération des jeunes prophètes. Voilà l'orgueil, la, voilà la mentalité. Là. Voilà l'orgueil. Moi, même si je crie ici et là, mais il y a des hommes que le Seigneur a utilisés comme Osborne. Je ne pouvais pas me permettre de lui manquer du respect. Osborne, un homme du Seigneur qui, a, qui craignait le Seigneur, qui est décédé il n'y a pas longtemps, un Américain. On était petit quand on entendait parler d'Osborne, Osborne, Osborne quelqu'un, un, un évangile qui a craint le Seigneur jusqu'à sa mort. Hum Et moi, je veux me permets comme ça, non, moi je viens, on va parler de la réforme de l'Église Osborne, quel orgueil, là, toi, t'es là Je n'arrivais même pas à la cheville d'Osborne, David Wickerson, un homme du Seigneur, moi, je pouvais me comparer à lui. Voilà cette génération. On vous parle par rapport à la parole, par rapport à l'expérience que l'on a. On a vu des gens tomber comme ça, comme pas possible. On dit il faut la sagesse, l'intelligence. Joseph a fui. Et des jeunes qui viennent comme ça, ils disent Oh là non, non, ça va, on gère, machin, tout ça. Là. Et après, t'entends des histoires, comment ça tombe comme des mouches. Vous savez, je vous dis des choses. Hein. Le péché, tout ça, ça fait partie du péché, de la rébellion. La rébellion. Et euh, chez les Hébreux, les docteurs, là, ce n'étaient pas des genoux, hein quand on entend docteur de la, de la loi, là, c'est les barbus, les, les, les bar, la barbe blanche. Parce qu'un docteur, là, c'est pas quelqu'un qui, toi, tu vas être docteur de la parole pour l'enseignant, tu vas enseigner quoi que tu as expérimenté. Hein? Oui, tu peux parler de la parole comme tout le monde, mais l'enseignement, là, tout ça, les docteurs, là, c'est des gens qui ont fait des erreurs, qui ont appris les, leurs erreurs et qui ont l'équilibre, qui peuvent équilibrer les gens dans l'enseignement pour dire attention. Voilà pourquoi les jeunes comme Timothée, Tite étaient toujours à côté de Paul pour être aidés. Je ne dis pas qu'il faut pas faut chercher des pères dans la foi, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis simplement qu'il y a beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Des gens qui commencent leur ministère et qui veulent détruire les autres, les pères dans la foi. Vous savez, Osborne, dans le royaume, c'était un père dans la foi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Hein Même si ce n'est pas lui qui t'a engendré, mais dans le royaume, il l'avait établi comme ça. Paul, c'était un père. Vous savez, quand Paul parlait des pères en parlant des Hébreux, là, lui, il avait connu Abraham, mais Abraham, le père de la foi, qui a connu Abraham C'est les gens comme ça que le Seigneur a établis. Vous voyez On oublie ça. Un jour, le Seigneur m'a amené quelque part dans l'esprit, m'a montré comment Jonathan Edwards travaillait, un homme du Seigneur au 19e siècle, 19e ou 19, 20e siècle. 19e siècle, mais quel, c est, c est, Voilà comment ce Thomas m'a servi. Mais toi, tu, tu vas, tu vas. John Wesley, tu lui arrives à la cheville, je lui arrive à la cheville, même pas. Charles Finney, des hommes qui ont servi le Seigneur, hein, 300 ans après, on parle encore des œuvres que le Seigneur a faites au travers de ces hommes et ces femmes. Et nous, quand on voit des jeunes aujourd'hui, ils lisent la Bible, tout ça, ils vont vérifier le grec et l'hébreu, ils sont dans l'orgueil, ils vont de pays en pays, et puis il y a quelques femmes qui sont excitées, qui cherchent toujours des gourous, qui vont courir après les, les, les gens à gauche, à droite, et ça s'excite pendant quelques temps. Et puis, c'est comme un, un feu de, 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 de paille. Et puis, au bout de quelques mois, c'est fini. Il passe à autre chose. Et puis, euh, on entend là-bas, là non, mais il a divorcé, il s'est remarié. L'autre là-bas, ah, c'est fini, tout ça. Vous vous rendez compte Il faut faire attention. Moi, j'ai appris à craindre le Seigneur et à honorer les aînés de la foi. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais manquer du respect, même aux euh, au pasteurs, tout ça. Pas du tout. Je rencontre des pasteurs. Vous croyez quoi je parle des vrais qui aiment le Seigneur, même si on n'est pas souvent d'accord sur certaines choses, mais il y en a qui euh, craignent le Seigneur. Vous voyez Il y a une considération, parce que la parole le dit. Il y a le respect par rapport au travail que, que certains font. Donc je vois des gens qui, je nous la... Beaucoup d'excitation, ça court à gauche, à droite, ça va... Je dis, mais vous courez après quoi, là Vous allez après quoi La rébellion. Le péché de la rébellion fait des dégâts, le péché de la rébellion, la rébellion. La rébellion. Tous ces gens qui sont tombés comme ça, là, quand vous vérifiez là, c'était des gens qui n'avaient aucun égard, aucun, aucun respect pour les aînés dans la foi. Aucun respect. Cette formation biblique va nous permettre, vous permettre de vous amener à, à aller plus loin. Plus loin. Paulos, qui a reçu une onction terrible, qui a servi, le, qui, 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 a, qui, qui a prêché dans les nations, il allait à Jérusalem et il respectait Jacques, Pierre et Jean. Vous vous rendez compte Alors qu'il avait un appel pour les nations, il avait une sagesse, une connaissance que Pierre n'avait pas reçue. Mais respectait ces gens-là comme les aînés dans la foi. Vous vous rendez compte? Et ils bénissaient le travail que le Seigneur faisait au travers d'eux. Le secret pour aller plus loin dans la vie, dans l'œuvre. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. voyez? Et aujourd'hui, on fait le bilan. Tous ceux qui se sont excités dans la rébellion, en péchant, en murmurant, en faisant n'importe ils sont tous tombés comme des mouches. Comme des mouches. Il faut honorer le Seigneur, il faut respecter euh, les, les, les frères et sœurs. Quand mon père a la foi, un frère qui craint le Seigneur, je, je lui respecte pour lui. Parce qu'il a fait un, une œuvre terrible, il fait l'œuvre du respect. Les parents, ça m'a appris à honorer les parents, mes parents, à les considérer, à les respecter. C'est important tout ça. La chair, là, nous joue le tour, la chair. La chair. Nous nous servons, ou je dirais plutôt, le Seigneur qui se sert de nous est plus que juste. Plus que juste.